Bonsoir à tous les amis, c'est Valmore 333 et on se retrouve ce soir pour 007 Nightfire les amis. Attention, ça ne déconne pas du tout. On va lancer tout de suite parce que sinon il y a probablement une démo qui va se lancer. Sachez que normalement j'aurais dû passer par la case Agent Under Fire, donc en français espion pour cible, que j'avais également sur la PS2, que j'avais également fait quand j'étais plus jeune. Mais malheureusement pour nous, je ne trouve pas de widescreen fixe, donc à défaut, je préfère passer directement à Nightfire. Il est temps qu'on passe à la suite de nos aventures avec notre ami James Bond. Nous sommes à Paris pour le début de ce James Bond. Attention. Là, il y a bien un widescreen fixe qui est automatiquement appliqué sur le jeu si vous avez la dernière version de PCSX2, les amis. Je ne peux rien faire d'ici, Q. Je dois descendre. Patience, 007, patience. Patience, 007, patience. Bon, là, on va être totalement commandé. On va pas avoir le choix de toutes nos actions. Que là, on va avoir le droit à un tuto, les amis. Compris. Attention. Rapprochez-moi de la route. Alors, si ça veut bien, hop, parfait. Faut que je me réhabitue aux commandes. Tout de suite, l'action. On tire et on pose des questions après, bien entendu. Voilà, la voiture explose, bien sûr. 007 Nightfire, Michael Bay Edition. Elle était pas du tout à cet endroit-là, mais c'est pas grave. C'est la joie des faux raccords. Putain, c'est un sacré fusil de sniper, c'est du très gros calibre pour que ça fasse dévier la voiture quand même. Donc il n'y aura pas espion pour cible, les amis, c'est pas grave. Ils avaient qu'à faire un widescreen fixe, j'ai essayé d'en faire un moi-même, ça n'a pas marché, donc j'ai laissé tomber l'idée. De toute façon, espion pour cible est moins bien que les autres, notamment Nightfire et Qui tout double. Ça ne posera pas de problème d'ordre chronologique. Que nous ne le fassions pas, je vous rassure. On va avoir l'occasion d'en faire un peu avec Fanny aussi. Mais ça, c'est une surprise, les amis. Étant donné qu'on est en France, cette demoiselle appartient à ce qui pourrait être le MI6 français, c'est-à-dire la DGSE, tout simplement. Ça y est presque, 007. Ça y est presque, 007. Hop. L'objet volé est dans ce camion. En nous dépêchant, nous pouvons encore le rattraper. Au fait, qui êtes-vous ? Je m'appelle Bond. Je m'appelle Bond. James Bond. Attention. Oh, l'Aston Martin Vanquish V12, les amis. Fumée. Prête. Hop, on enfume le tout. Alors, l'écran, pour l'instant, est mal réglé. Je vais regarder. Non, je peux pas le régler pour l'instant. C'est pas grave, on n'est pas en écran large. Ça m'embête un peu, comme mais c'est pas grave. L'Aston Martin V12 Vanquish de systèmes offensifs qui devrait vous aider à accomplir votre mission. La Alors. Bombe est à bord de ce camion. Attention. Je gère, Dominique Paradis. Devant. Mode de roue activé. Hop là. Vous devez intercepter le camion avant qu'il n'atteigne sa cible. C'est pas la vraie voie de Q. Enfin de M plutôt, mais c'est sa voix dans les jeux, donc on va dire que c'est bon. Ce pont est votre meilleure chance, 007. Utilisez votre turbo. Oh là là. Faut qu'on active l'écran large, ça sera beaucoup mieux. Les missiles
risque de faire sauter la bombe 007. Utilisez vos projectiles IEM. Attention, l'IEM. IEM. Paf. Right in the target. Vous allez faire sauter la tour Eiffel. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonne année, James. Alors apparemment j'ai mis mon Aston Martin au-dessus d'un bâtiment. Parce qu'on est à hauteur de bâtiment. Oh là 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 là. Et là c'est l'heure de se faire flag par YouTube. Bien sûr. Ça ne serait après tout pas vraiment un James Bond si on ne se faisait pas flag. On a un genre de Lara Croft qui va nous accompagner à un moment, les amis. Lara Croft blonde. Mis le paquet sur le générique. Nightfire. Attention, préparez-vous pour la musique, les amis. Aïe 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 aïe, cette musique. Pouette, 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 pouette. Alors on va tout de suite se faire, bien sûr, je ne m'appelle pas James Bond. Je m'appelle bien Valmore. Est-ce que j'ai le droit d'écrire 333? Oh, j'ai pas le droit. Ben, ça sera juste Valmore. Et ça suffira largement. Bond classique, recharge et action, arme suivante. On va rester sur le Bond classique, même si ça va me coûter, ça va me nécessiter un petit peu de réhabitude. Mais bon, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est les options avancées. Alors, les vibrations, ça sera non. AV. L'écran large. Voilà, parfait. Sauvegarder nom de code. On valide. On est là, c'est parfait. Et on va lancer la première mission. On ne va pas refaire le... Je la referai en off, hein, vous inquiétez pas, pour obtenir éventuellement des petits bonus qu'on peut avoir, hein, puisqu'il est... Il y a des achievements comme sur les précédents James Bond. Enfin, c'était surtout pour le score. On va pas se mettre en espion, on va pas se mettre en agent 00, on va se mettre tout simplement en agent tout court. Ça sera parfait. Inflige des dégâts standards, leurs caractéristiques normales. Voilà. Donc on ne refait pas un nouvel an à Paris, je la referai en off. Un accueil glacial, c'est parti, cette mission, elle a beaucoup fait parler d'elle, parce qu'à l'époque de la sortie du jeu, les amis, on voyait beaucoup d'extraits de cette mission-là. Et notamment les musiques également. Bonjour 007, un système de guidage de missiles destiné à la plateforme de défense spatiale américaine a été volé. L'OTAN considère sa récupération comme étant de la plus haute importance. Si cet appareil tombait entre de mauvaises mains, les capacités défensives de la plateforme seraient sérieusement compromises. Des informations récentes nous laissent penser que Drake est impliqué dans cette affaire. C'est difficile à croire, car c'est un industriel vert respecté dont la société Phoenix International s'occupe de démanteler des réacteurs atomiques obsolètes et les arsenaux nucléaires hors service. Un agent allié infiltré dans l'organisation de Drake nous a signalé qu'Alexander Mayhew, un expatrié britannique qui dirige la branche japonaise de Phoenix, est en route pour le château de Drake en Autriche. Le système de guidage changera demain ce soir, au cours d'une soirée au château. Attention. Oh, de vraies cinématiques, les amis, ça fait plaisir. Les forces de sécurité de Drake sont des hommes endurcis. En tant qu'agent 00, vous devrez peut-être répondre à la violence par la violence. Bonne chance, 007. C'est mon métier, bébé. Parfait.
Nous voilà donc infiltrés. Ce jeu a existé sur PC également, mais sa version PC est, on va dire, amoindrie, les amis. Alors, première chose, silencieux. Oh là 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 là. Ah, pouvoir mettre un silencieux sur le Walter PPK, ça n'a vraiment pas de prix. Hop là. Alors, on va essayer de sauter sur le camion au passage. Hop. Je sais plus comment on s'accroupit. C'est pas ça. Allez, commande, s'il vous plaît. S'accroupir, L2. Ok. Très bien. Il faut que je me réhabitue un peu aux commandes, les amis. Veuillez m'excuser. Walter PPK. Bien sûr. Les commandes sont inversées également. Donc il faudra que je règle ça. On s'infiltre, les amis, on s'infiltre. Il y a moyen de... Il y a plusieurs possibilités d'y aller à la bourrin, de s'infiltrer. Là, en l'occurrence, on sera infiltré. C'est parfait. Il y a aussi la possibilité de passer sur le côté, là, les amis. De longer la forteresse. Passer par le camion, c'est très très bien. Ça nous évite bien des ennuis. Et en plus, ça nous valide un petit 007 du plaisir. Première étape passée avec succès. Nous sommes toujours dissimulés, mais ça va pas durer. La porte d'entrée du château est ornée de colonnes. Ich bin 6 Stunden gefahren. Und wieder 6 Stunden zurück, Opa. Los, lad schon ab. Bonjour monsieur. J'étais derrière, tout va bien. On va garder pour l'instant le P2K. Enfin, le PPK. Bah, c'est peut-être un peu chaud. Qu'est-ce qu'on a par là? Oh, la zic! Je ne comprends pas, monsieur. C'est de l'autrichien. Hop là, des munitions, je ne dis pas non. Alors, comment est-ce que je pourrais passer furtif pour eux ? Je peux pas zoomer? Ah si, ok. Très bien. Shoot! Personne n'a rien vu, rien entendu. Ils sont malins, ou plutôt pas très malins, puisqu'ils n'utilisent pas de... Ils utilisent des silencieux, donc ils sont un petit peu cons. Là, ça me paraît un peu juste. On va peut-être passer par là. Hop là, disparu le petit monsieur. Je ne donnerai qu'un 2 pour le plongeon. Et en plus, il se permet de faire de l'humour! Les commandes inversées, il va vraiment falloir que j'arrange ça. C'est une horreur. Je reste au Walter PPK. Alors, touche d'action. Non, 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 non. Enlève pas ton silencieux. Ce qu'on veut, c'est le laser. Voilà, tout à fait. Et le laser... Alors, laissez-moi le temps, les amis, de me réhabituer. Voilà, parfait.
Les projecteurs sont désactivés. Alors là, il y a moyen de passer par au-dessus. On aura l'avantage de la hauteur. On est embarqué tout de suite dans l'action, les amis. Hein. Ça ne rigole pas. Il me voit pas, bien sûr. C'est ce que j'aime nommer des snipers de merde. Oh, lui, il va se prendre un petit coup de sniper furtif. Directement dans la truffe. Hop là, sur la joue. Donc là, il y a encore un gilet pare-balles, mais on n'a pas usé le nôtre. Donc on va pas chercher plus la merde. Les petites musiques mettent tellement dans l'ambiance. Ça nous rappelle des choses, hein, les amis. Sachez que, comme sur PS1, on va avoir le droit, avec Nightfire et Kitou Double, à un FPS et un TPS. Voilà, tout simplement. Hop. Ah. Oula. Il y a quelqu'un qui n'est pas content de me voir. Bonjour, monsieur. Lui, il n'a rien entendu, c'est pas son métier, et c'est pas sa guerre. Je vais perdre toutes mes armes, mais bon, on s'en fiche. Nous, ce qu'on aime, c'est avoir les munitions au max. Nous avons confirmé votre rencontre avec l'agent Nightshade et notre agent infiltré dans la bibliothèque du château. J'espère que vous saurez vous montrer discret, 007. Comme toujours. Oh là là, le smoking! On va pouvoir se fondre aux invités, ça on sait faire, on l'a déjà prouvé dans les précédents James Bond. 007. Ah. Les invités risquent de paniquer s'ils voient votre arme. Bonjour. Restez messieurs. Passez une bonne soirée. Merci, madame. Hello. C'est un plaisir. On se connaît, non? Oh, on se connaît pas, mais ça pourrait venir. Joli costume. Vous ressemblez au James Bond de Espion pour cible, monsieur. Bonjour. Quelle belle soirée. On se connaît, non? C'est marrant parce que vous parlez pas comme les messieurs de tout à l'heure, mesdames. Vous avez la chance de parler ma langue. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Oh, mademoiselle. J'attends quelqu'un. Vous remarquez qu'elle a des textures bien mieux faites que les autres personnages, tout simplement parce qu'on va avoir l'occasion de la revoir, cette charmante demoiselle. Vraiment enchantée. Moi aussi, Gilderoy Lockhart. Bonjour. Vraiment enchanté. Mais t'es partout, c'est fou. Je vous connais. Il fait chaud, non? Oui, il fait très chaud, effectivement. Pourtant, vous avez pas grand-chose sur le cul, mesdames. Bonjour. Vous appréciez notre fête? Vous appréciez notre fête? Oui. Est-ce que si... Ok, ça fait rien. Laissez-moi. Ok, ok, c'est bon, c'est bon. J'avais pas envie de te mettre un coup de boule, mais ça pourrait ne pas tarder. Alors là-bas, ça semble sécurisé. Là aussi. Bonjour, mesdames. Il fait chaud, non? Assez, assez, il est vrai. Oh, c'est de... Là, on peut vraiment avoir la bonne définition de ce que c'est que l'art abstrait. Ou le pixel art, d'ailleurs, hein. Piano enregistré sur Merci un micro de mauvaise qualité. Mon invitation ce soir.
La générosité de vos dons a permis le succès de ma fondation pour les réfugiés du monde. Dominique Paradis, que fait-elle à côté de Raphaël Drake ? Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Mais assez de discours, des cocktails vous attendent dans le salon. Buffet à volonté, les amis. J'ai 2-3 affaires à régler. Occupe-toi de nos os, Thierry. Ah, il est bugué. Monsieur Drake était bugué. Elle m'a vu. Très bien. Petite musique de suspense. Donc, la charmante demoiselle, dont je connais, je me rappelle le nom, mais je vais pas spoiler, et le gros monsieur sont partis par là. Et ici, ce n'est plus sécurisé. Dominique ! James ! Ah, vous remarquez Zoé Nightshade qui est sur la gauche ? Elle, pour le coup, on la rencontre dans Espion pour cible, les amis. Mais peu importe. Désolé d'interrompre votre... Débriefing 007. Bien sûr, on se la tape, hein, dans Espion pour cible. Dominique Paradis, DGSE. Mayu est arrivé avec le système de guidage volé. Drake est dans la salle de conférence, probablement pour y retrouver Mayu. Prenez cette clé, vous n'irez pas loin sans elle. Je ferai mieux de retourner avec les invités avant qu'on remarque mon absence. Fais donc. Le MI6 veut des photos de cet échange. Oh, Dominique Paradis, tu es bugué. J'avais perdu d'action pendant que vous vous frayez un chemin jusqu'à la salle de conférence. Cette robe est-elle l'uniforme de la compagnie, Nightshade ? Ne vous faites pas d'idée, 007. Elle est renforcée aux endroits stratégiques. C'est-à-dire ? Là, je vois pas quel renfort tu pourrais mettre de plus, madame. Ou alors t'es en train de me dire que tes seins, c'est pas des vrais. Ne vous laissez pas ralentir par les hommes de Drake. Utilisez tous les moyens nécessaires pour assister à cette réunion. Tous les moyens nécessaires. Plus de silencieux. Ne prenons plus de gants. Ça va chier. Merde. Oh là là, ça va chier. On a activé la visée automatique en plus. Donc autant dire que les choses vont plutôt bien se passer. Je la désactiverai si je vois que le jeu devient beaucoup trop simple, les amis, ne vous inquiétez pas. Alors, ils n'avaient pas le droit de mettre la marque Glock, mais autant vous dire, c'est des Glock. Hein. On va s'en servir tout de suite d'ailleurs. Attendez, excusez-moi, j'ai des petits soucis avec les axes inversés, messieurs. Permettez-moi, s'il vous plaît. On va passer en rafale, parce que sur ce flingue, les rafales, ça pique. J'ai tout récupéré ? Oui, ça m'a l'air. Là, c'était là où ils étaient tout à l'heure. Go ! Il y avait un gilet pare-balles, je crois, dans la pièce, mais je suis pas sûr. Parce que bien sûr, quand vous invitez des gens, laissez quelques gilets pare-balles sur les tables et les chaises. Ou près de la cheminée. Voilà, monsieur Drake. Le module de guidage de missiles volé aux Américains. Je pense que ceci nous rapprochera un peu plus de la mondialisation. Vous avez permis à nos techniciens de gagner un temps précieux, Mayu. Pouvons-nous accélérer les autres éléments de Nightfire ? De Nightfire ? Absolument, monsieur. Nous formons actuellement des groupes d'assaut pour... Enlevez vos sales pattes de moi ! Bah alors, Nightshade ? Elle se fait tout le temps choper, elle. Pour me repoudrer. Avec un kit de crochetage et un flingue. Le quartier n'est pas très sûr. Si les origines de cet incident remontent jusqu'au Japon, Mayu, vos jours sont comptés. Je doute qu'elle soit venue seule. Surveillez toutes les issues du château. Emmenez la fille à la station téléphérique. Je ne veux pas que son interrogatoire dérange les autres invités. C'est très bien doublé. Un interrogatoire. Enfin, la synchro labiale. Qu'est-ce que c'est que cette réception ? Allez, aggrave pas ton cas, Nightshade. Hein. C'est moi qui vais devoir faire tout le boulot comme d'habitude.
Rien que pour lui sauver son petit cul, c'est l'objet de la première mission de Espion pour cible, les amis. C'est quand même fou. Oh, la musique! Ah oui, ça pique derrière la tête, je pense, oui. C'était la tête, ça, monsieur l'arbitre. Alors, nous, on passe par là. Hop là! 007. Faut que j'arrête de... Il faut que je commence à me rappeler des commandes parce que sinon ça va très mal se passer cette histoire. Comment il s'appelle? Le Dutch! Le Dutch M9K, alors qu'en fait c'est un MP7, hein, tout simplement. Les amis, on va enlever le silencieux. Je pense pas en avoir besoin pour le coup. Qui me tire dessus? Je vois des tirs, mais je ne saurais les interpréter. Ah, ça pique, hein? Aïe! Un petit gilet pare-balles, je dirais pas non. Mais enfin, mais laissez-moi passer. Hop là. On essaye de se débrouiller avec ce que j'ai comme souvenir des commandes. Ça va nécessiter un petit temps de réadaptation, bien sûr. Je crois qu'ils ont laissé un gilet pare-balles dans la grande salle de réunion. Bien sûr, c'est sans compter sur ces messieurs. Non, c'est que des munitions. Il n'y a pas de gilet, mais il y en aura un dans la pièce où l'on va. Voilà, on casse tout. Oula! Excusez-moi, messieurs, je m'attendais pas à du monde. Gilet, oh merci. Alors. Hop, on fait chauffer les gonds. Un lance-missile, c'est le genre de choses qu'on trouve toujours dans... dans des coffres forts. Fuir avec Zoé Nightshed par le téléphérique. Tout se chie ici, les amis, sachez-le, tout se chie ici. C'est bon? Ne me donne pas de coup de main, surtout. Alors, hop, 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 hop. Faudrait pas qu'on soit emmerdé. On va devoir se servir de cet appareil. Tu es foutu. Tu es foutu. Laissez-moi. Alors, où est-il? Edin! Et nous deux. Et nous trois. Et de 4. Et de 5. Mission accomplished. Bien sûr. Accrochez-vous à moi, Zoé. Je n'y croyais plus.
c'est une fraudasse. Bel atterrissage, James. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous vous retrouvez toujours au-dessus. Mon centre de gravité est peut-être plus bas. Oh là 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 là. Ce manque de respect dans les réponses. Normalement, médaille d'or, bah voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bon, il y a le platine qui existe, hein. Mais médaille d'or, les amis. Hein? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça, les amis, hein. Voilà, évidemment, sauvegarder la progression. Et bien sûr, j'ai débloqué Zoe Nightshade pour le mode multijoueur et amélioration pistolet, merci. Et le perso également multijoueur, Odd Job, qui est un personnage des James Bond, bien sûr. Donc, on va en rester là pour cette première vidéo sur James Bond 007 Nightfire. Je vais faire mes petits réglages en off, bien entendu. Et on passera ensuite à la suite. Il y a pas mal de missions. Ils nous spoilent déjà les titres. C'est un peu dommage, je trouve. Mais on aura l'occasion, vous inquiétez pas, les amis, de se faire plaisir sur ce jeu. En attendant, sachez qu'on ne survit pas à la chute. Hein. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. La chute en téléphérique. Normalement, Nightshade aurait dû me servir d'amortisseur pour me sauver moi, mais pas elle. Normalement, on ne survit pas à une chute pareille, même si c'est sur de la neige. Quoi qu'il en soit, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Le commentaire qui va bien, le pouce bleu également sur la vidéo. Abonnez-vous et n'oubliez pas également de me suivre sur Twitter @valmore333. On se retrouve très vite pour la suite de nos aventures. Salutations de l'infini.